caché ou pas caché, j'arrive. Hyperion, vous me recevez ? Merde. Dans quelle galère je me suis encore foiré. Salutations, héros. Je suis Uther, le porteur de lumière. Et tu as été choisi par le Nexus. Le Nexus, c'est donc une sorte de truc Protoss. Quoi ? Non, c'est... Écoute. Le Nexus est une tempête cosmique où les mondes entrent en collision à travers l'espace, le temps et les dimensions. Tu as été invoqué ici pour faire tes preuves au combat. Et... te couvrir de gloire. La gloire, ouais. Non, pas besoin de me convaincre. Ce portail des tempêtes nous conduira jusqu'à la cour du corbeau. Fais un clic droit pour y aller. Ça va le faire. Un serviteur ennemi ? Nous venons à peine d'arriver. Bah ! Bon, appuie sur la touche Q, puis clique sur lui pour l'attaquer. Je passe en mode hostile. Avançons. Les serviteurs devant nous sont visibles ici, sur ta mini-carte. Passe en mode hostile. Ça va le faire. Une espèce de globe lumineux vient de sortir de cette chose. Un globe de régénération. Approche-t'en, et tes alliés proches et toi récupéreraient des points de vie et de mana. Appuie sur la touche Q, puis clique au sol pour te déplacer dans cette direction et attaquer les ennemis rencontrés en chemin.
prévois de me filer un coup de main, Uther? J'ai déjà terminé mon didacticiel, mon garçon. Tu dois compléter le tien. De plus, tu peux te charger de quelques serviteurs. Ça va le faire. Beau travail. Nous avons réussi à atteindre la ville. Va falloir m'affranchir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce royaume se nomme la Cour du Corbeau. Et il est assiégé par le seigneur démon Diablo. Diablo? Vous osez vous opposer au seigneur de la terreur? Je me demande, quel goût a ta peur, mortel? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis même pas sûr que tu puisses sentir quoi que ce soit. Je vais te dévorer! Ouais, il cherche pas vraiment à faire bonne impression. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Pour affronter Diablo, tu auras besoin de tirer le meilleur parti de tes capacités. Tout d'abord, essaie ta balle perforante contre les soldats morts-vivants de Diablo. Très bien! Utiliser tes capacités te permet d'infliger plus de dégâts que tes attaques de base. Joli tir, mon garçon! Le clic droit annule une capacité. Quand la flèche de ciblage est active. Il y a trop de squelettes devant nous. Nous devons battre en retraite! Je me sens invincible! À l'attaque! Sois pas trop sûr de toi, petit. Tu peux compter sur moi. Ta capacité inspiration augmente ta vitesse d'attaque, ainsi que celle de tes alliés proches. Utilise-la dès que tu le peux. Ok. Affirmatif. Votre courage retrouvé ne vous sauvera pas. Vos vies insignifiantes s'arrêtent ici. Nos fantassins affrontent Diablo un peu plus loin. Débloque la caméra pour jeter un œil. Maintenant, fais défiler la carte. Brûlez dans les feux des enfers! Il est blessé. C'est le moment d'attaquer. Si tu préfères reverrouiller la caméra, appuie à nouveau sur la touche L. Ce royaume et toutes les âmes fourvoyées qui s'y trouvent seront bientôt à moi! Pas tant que je serai vivant! Diablo est brutal. En piste, les rebelles! Je pourchasserai ton âme à tout jamais, James Raynor! Bien joué, jeune homme. Mais ce n'est pas encore terminé. Utilise ta pierre de foyer pour me rejoindre. Comme c'est mignon. C'est le hall des tempêtes. Les héros apparaissent ici quand le match commence. Notre but est de détruire l'idole ennemie tout en protégeant la nôtre des attaques adverses. Les deux idoles invoquent des serviteurs qui suivent cette voie et s'affrontent lors d'innombrables vagues de combats.
pigé. On détruit l'idole de Diablo et le combat sera terminé. C'est simple. Mais rappelle-moi pourquoi on fait ça déjà. Tu sais, tu ne devrais pas trop réfléchir à ce genre de choses. En piste, les rebelles. Tout d'abord, dirige-toi vers la ligne de front. Balaf, vouloir jouer! Celui-ci n'est pas très avisé. Attaquer un fort seul est quasiment du suicide. Tu peux compter sur moi. Nos serviteurs nous aident à progresser vers l'idole ennemie. Reste derrière eux et laisse-les encaisser les dégâts. Les tours ennemies font très mal. Mais elle tire sur les serviteurs avant de s'en prendre aux héros. N'attaque une tour que lorsque nos serviteurs sont à proximité. Le clic droit annule une capacité. Quand la flèche de ciblage est active, il suffit de cliquer pour tirer. Bien joué, mon garçon. Tu as fait la preuve de ta valeur. Que dire, à part que je suis vraiment doué pour faire exploser des trucs. Tes serviteurs et de la pierre, ce n'est pas un vrai défi. Maintenant, je vais me repaître de votre terreur. Te repaître de ma terreur? C'est bon, là, ça fait deux fois. On ne peut pas manger la terreur. Lui raison, pas manger terreur. Tu vois? Même Schlingo a pigé. Assez! Une minute. Je viens pas de mourir, là. Ne t'inquiète pas. Dans le Nexus, la mort n'est qu'un léger contretemps. Au bout d'un moment, tu ressuscites, prêt à combattre. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'accompagne. Cela devrait équilibrer un peu la partie. Pas du tout. Allons-y, partenaire. Bon, ça, c'est fait. Enfourche ta monture et retourne au combat! Toute la journée, s'il le faut. Pour descendre de ta monture, appuie à nouveau sur le bouton. Du moment que ça marche. Le clic droit annule une capacité. Quand la flèche de ciblage est active, il suffit de cliquer pour tirer. Parfait! Il ne reste plus que l'idole ennemie. Fuyons vite. Nous reviendrons quand nous aurons des serviteurs pour nous protéger. Le plan de là. Chose à dire, bouche en feu.
J'aurai ma vengeance, James Raynor. Ce n'est pas terminé. Et c'est pas un combat à la loyale. Vous ne combattrez pas seul. Eh bien, regardez qui le Nexus nous a ramené. Ça fait plaisir de te voir, cow-boy. Nova, maintenant je commence à me sentir à la maison. Ne te mets pas trop à l'aise, ça risque de secouer. J'adore ça quand ça secoue. Allez, la Grande Rouge, montre-nous ce que tu vaux. Je suis prêt pour le deuxième round. Bien joué! Vous avez prouvé votre valeur dans les épreuves du Nexus. Nous allons maintenant aborder l'expérience, les fontaines de soins et les mercenaires. Pouvons-nous commencer ?